Bonjour et bienvenue, je suis l'Ancien01 et aujourd'hui nous allons faire un nouvel épisode de Black Desert Online. Alors aujourd'hui nous allons continuer nos quêtes où on va fracasser des petits quoi déjà? Ah oui! Des petits zombies. Nous sommes déjà sur zone, comme vous pouvez savoir c'est par rapport à la dernier épisode que vous aurez pu voir. On s'est arrêté ici tout simplement, donc voilà. Oh! En prison. Ah ouais. Ok. Ok, vous avez vu, il y a un joueur qui a mis en prison un autre joueur. Ok, bah écoute. Du coup, nous allons continuer notre exploration. Non, on va continuer nos missions, oui, nos quêtes. Avant toute chose, je vais jouer le petit jeu de la chance. Et on va continuer juste après. Alors oui, je vais expliquer un peu. Alors ça, c'est un petit aventure de l'esprit occulte. Alors c'est un petit jeu, un peu comme le jeu de loi, en fait. Vous savez, il y a plusieurs petites cases, là, et vous devez faire le tour du... machin pour gagner, voilà. Et vous avez des rebacks à 5 cases en arrière, ou des rebacks qui vous téléportent à je sais plus trop où, enfin vous voyez le truc, voilà. Du coup nous allons jouer ça et on va voir ce qu'on va gagner. Ça serait bien ça. Ah non, c'est les boîtes à outils. Et ça, boîte de repas, il y a rien de bien en fait. Effet positif, du coup un chemin caché. Elixir, boîte d'accessoires. On a un super monstre qui vient d'apparaître. Ok, allez c'est parti. Allez, 5 pas en avant. Ah, 5 pas en avant. Boîte d'accessoires de cheval. Bah c'est bien. Ok. Bah ah c'est là, d'accord, cette case back qui nous fait retourner ici. Voilà, bon on l'a sauté. Du coup. Ok. Bah c'est bien. Allez c'est parti. On va se faire les monstres maintenant. Donc je suis mis un peu à l'abri hein, dans une tente parce que dehors il pleut fort. Voyez. Bah c'est bien fait, regardez, dans la tente il pleut pas, mais il pleut dehors. Et mon personnage, voyez là, elle est sec là. Parce qu'on est sous une tente. C'est bien, hein. Et quand on va être dehors, ben on s'est trempé. Regardez. C'est les petits détails qui font que voilà, quoi. Regardez. Et hop, là on est trempé. C'est les petits détails qui sont vraiment géniaux, ce jeu. Allez, c'est parti. Ouh, j'ai pas vu le gros. Ouh, j'ai esquivé de peu. On est monté en niveau, en level. Bah. J'ai une touche qui bug, j'ai l'impression. Je peux plus esquiver après ce que je... Ah oui, c'est Switch. Putain. Oh là là. Désolé, petit bug de ma part. Bon, le truc qui me tire dessus, il me fait chier, c'est toi. Voilà. Voilà. Ok, donc là il faut buter des zombies, hein, rien de bien compliqué. Mais bon, ça va faire 2-3 épisodes où on a de l'action, hein, c'est intéressant ça. Ça devrait intéresser pas mal de personnes, je pense. C'est bon, du coup, il y a un peu plus d'action, quoi. C'est un peu moins... Enfin, il y a plus d'action, quoi. Thank you.
Ok. Toi, tu dégages. Ça peut pas faire, faut pas le casser. Ok. Je crois qu'il y avait d'autres. Ok, donc on récupère tout ça. C'est de l'argent en général. Mais aussi des petits objets qu'on peut vendre. Pour l'argent tout simplement. Hein. Même si le jeu, l'argent n'est pas très important, parce qu'on gagne facilement et on peut pratiquement rien acheter, enfin à part à d'autres joueurs. Mais au PNJ, il n'y a pas grand chose à acheter en PNJ. Ok, les gens de sorcière fracassés là. Les soldats de poste de garde sont attaqués par les trucs de nez rouge là. Ok. Oh, je vais juste récupérer ça là. Ok. Toi, tu me saoules, toi. Ok. Du coup, il nous reste quoi d'autre à faire? Qu'on fracasse encore des choses pour la vue. Ok. On va récupérer un peu les machins. Yeah.
Ok. Allez, on va rendre les quêtes. Ah, il finit dans le jeu, donc du coup les monstres sont plus puissants maintenant. Intéressant. Encore des zombies à fracasser, probablement. Ok, on va commencer à avoir des quêtes. C'est parti. Pas les zombies ce coup-ci, non. Tu me donnes quoi toi? Ouais. Ouais. Tu donnes pas de couteau pour chasser? Récupérer des pots. Pour le corps. Faut pas de... non. De ça à la rigueur, puis voilà. C'est bon, t'as eu ton machin. Bon. Après, j'ai qui d'autre à faire. Là-bas, dans ce village, et... d'accord, en fait, il y a plusieurs petits camps. Toi, ennemi inconnu. Tu as terminé? Bah, c'est très bien. Ok, terminé. Alors ce sont des quêtes en fait de connaissances que j'ai déjà eu, j'ai pu déjà acquérir, hein, donc du coup... Pourquoi ça s'abruit ça, que j'ai pu acquérir en fait en butant des ennemis spéciales. Donc c'est pour ça qu'il y a des quêtes qui sont déjà genre accomplies quoi. Parce qu'il faut savoir que vous jouez avec... avec ce personnage ou un autre personnage qui est de la même famille, les connaissances sont réunies pour les deux familles en fait, enfin pour les deux personnages. Donc du coup ça fait ce qui fait que si vous avez avancé avec d'autres personnages, eh ben les missions de quête, toutes les missions de quête, toutes les missions de quête en fait, eh ben, elles sont tout simplement de connaissances. Hein. Bah, elles sont déjà accomplies en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça fait que vous pourrez accepter les quêtes et avoir accompli déjà les quêtes quoi. Just believe
Ok. Terminé, très bien. Voilà. On va faire toutes les quêtes qu'il y a ici, hein, tout simplement. Hein. Allez les amis, on va pas... Nous sommes dans une zone sécurisée normalement là. Est-ce que je peux récupérer déjà ça? On est censé être dans une zone sécurisée. Non? Bon, on le fera en ville. Hein. C'est que ça. Ouais. On le fera quand on ira en ville, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ok. Ça se pète pas. Ah, c'est toi qui me tire dessus. Ok, bon, les choses à faire péter. Ok. Je suis bloqué là ou quoi là? Je suis bloqué. Enfin, je suis bloqué là. Non? Il y a quelque chose qui me bloque là. Ok, c'est pas grave. Si je fais un map, on est où?
Comment on fait pour se téléporter dans le jeu, se téléporter dans le jeu pour se débugger? Comment je fais pour me téléporter dans le jeu? Hop. Non. On peut pas se TP. D'accord. Donc quand on est bloqué, on est bloqué. Ah non, oui, Alex il a eu un bug, il faut appuyer ici. Voilà. Alex a eu le même bug que moi, mais lui il était bloqué dans un mur lui. Carrément. Voilà. C'est réparé. Du coup, non, pas... Enfin bon. Pour apporter la caisse vu qu'on y est là, c'est qui qu'il fallait voir déjà? C'est l'autre. Ok, j'ai dû sauter soit en faisant une esquive ou je sais pas, et j'ai dû me bloquer entre les deux. Bon, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Bon. Malgré ce genre de bug, le jeu reste quand même pas mal. Pas mal quoi, je veux dire, il y a vraiment... Enfin, il n'y a pas beaucoup de bugs quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bugs quoi. Mis à part les bugs de blocage comme ça, mais sinon... Je suis là. Vous avez pas honte de frapper une jeune fille là qui était en train de s'occuper d'autre chose là? Tous les deux en plus là? Ok. Ok. La sorcière. Oh. Je croyais que je pouvais pas te toucher d'où j'étais.
Ok. Tu as le sustain là avec... avec ta magie toute pourrie là. Ok. 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 Bon. Ah, il faut buter les chiens là. Ah ouais, tuer... ah oui, il y a beaucoup de chiens à buter, il en faut buter 10. Ok. Hop, les chiens bien dégueulasses. Voilà. Voilà. Encore les chiens dégueulasses à buter, toi là. Voilà. Ok. Bah vous me touchez pas. Voilà, ça c'est terminé. Très bien. Après. Allez, on a des zones à buter, là, des zonings. C'est pour quelle mission ça? Ok, c'est fini. Très bien. Un remède. Bon, à première vue, il y a des trucs à faire ici. Chier ces trucs qui me ralentissent là et qui me font des dégâts de saignement là. Bon attends, je vais faire péter ça parce qu'on commence à péter les couilles là. Voilà, dégage. Voilà. Remplir la bouteille de sang. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu fous là toi? T'es pas à ta position toi. Ah.
Donc j'en ai récupéré une. D'accord. Wow. Il veut d'un humain lui. Ah les niveaux je les enchaîne là. Vous voyez là ça monte vite les niveaux. En même temps j'ai des boosts d'XP et tout ça là, vous m'étonnez que ça monte vite là. Ah il faut péter les... Rendre en cendre les tentes là. On fait comment pour les rendre en cendre? Ah ok. Ah bah c'est fini d'accord, on fout le feu comme ça, normal. Ok. Toi tu donnes quoi toi? Ok. La fille. Ah puis la tente elle a carrément disparu hein. Ah oui. Enfin pour vraiment quoi. Ok. Alors il faut qu'on bute encore quelques sorcières. Toi tu dégages. Voilà. Ok, cérémonie là-bas. Let's go. Ouais, faut tout ce coucou panier. Ouais, faut tout ce coucou panier. C'est bien ça. Ok, il va faire quoi ici? On a un truc à faire, c'est ça? Solide cette sorcière là. Très bien. Ah, ils montent pas les zombies là? Ah si, je disais. Du pouvoir mythique. Non mais voilà, coucou je panier les mecs là. Ouais ils m'ont enlevé une bonne partie de ma vie en plus ces enculés là. Ok. C'est quoi ça? Ah ouais. Très bien. Du coup on va rendre les quêtes. Et on va se quitter là les amis. Attendez, il y en a un qui me fait chier. Ok donc ce qu'on va faire, on va aller en zone sûre parce que là il commence à me saouler. Zone sûre, enfin zone sûre. Les zombies qui me suivent ou pas? Non. Bon, très bien. Je peux maintenant.
Merci. Il est vraiment stylé le personnage. Hein. Par rapport à avant. Allez, il parle avec la. Il parle la langue. La langue. Dire une langue, enfin c'est une langue démoniaque quoi, mais c'est stylé quoi. Il est stylé ce gars. Là je le kiffe le bonhomme là. Par rapport à avant, t'avais une petite voix toute petite là, et maintenant t'as un putain de machin. C'est bon, c'est fini ça. Toi, tu as une quête, je te ferai plus tard. Je vais d'abord rendre les quêtes. Et on va s'arrêter là. Voilà. Non, c'est pas toi. Toi, t'es en train de danser, je sais pas quoi. Toi, t'es en train de faire... Ok, t'es une sorcière. Ouais, si c'est pour purifier, c'est pas avec ton symbole occulte à la con que tu veux purifier des gens, toi. Tu vas plutôt les corrompre. J'ai déjà fait, je suis incontaminé. Tu me redonnes des chiens contaminés, toi. Ok. Voilà. Bah, c'est très bien comme ça. Très, très bien. Bah, sur ce, bah, on va s'arrêter ici, les amis. On va aller en ville, tiens. Non, on va rester là. Ouais, on va rester là. Ah bah non, parce qu'il faudrait que je récupère des choses. Mais bon, on va s'arrêter là. Ouais, sur ce... j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de commenter si vous avez des questions ou autre, de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du jeu Black Desert Online, où continuerons notre aventure, tout simplement en faisant les petites quêtes à droite et à gauche pour le moment, vu que pour le moment on a, plus beaucoup de quêtes primaires, et du coup, on va avancer tout doucement, et on va voir jusqu'où cette aventure va nous emmener. Je veux dire, ce jeu-là, franchement... je suis vraiment vraiment très 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 content de l'avoir ce jeu, parce que franchement il est vraiment stylé. Donc voilà, bon ça c'est petit message, on s'en fout. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci de regarder la vidéo, allez bye les amis.